Le prix du chronométrie 2011 pour Global Forces, c'est une très bonne reconnaissance. C'est un moment important pour nous, une jeune entreprise, une jeune équipe. C'était important pour nous d'aller là, d'être courageux, de participer, de ne pas avoir peur, parce que c'est quand même des rudes épreuves que les pièces subissent. C'est quand même trois séries de 15 jours de tests avec des chocs, avec champs magnétiques. Donc la possibilité de qu'un accident arrive, elle est en permanence là. Dans un Grand Prix de Formule 1, vous avez des pannes, vous avez des problèmes, il y a des choses, mais je crois que c'est pas pour autant qu'on désiste de ce challenge, de ce défi. Il s'agit du double tourbillon au 30 degrés dans sa version technique qu'on appelle. Donc une pièce qui a une très grande réserve de marche, quatre barillets en tambour superposés. C'était intéressant de prendre ce modèle-là pour, disons, prouver sa valeur par un organe indépendant pour vraiment mettre en exergue ses qualités chronométriques. La performance de nos pièces est une première considération dans tout ce qu'on fait comme invention, comme innovation, mais ces concours sont assez méconnus.